Hello les amis, c'est Jodie Drive, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode de la nouvelle maison du style de les reines de la mode. Cette phrase est super longue, mais c'est pas grave. Donc, j'ai créé un nouveau petit look à ma perso avec le petit gabroche, toujours, la petite gabroche toujours. J'ai pas vu qu'il était un petit peu... Bon, c'est pas le look le plus beau du monde, j'aimerais juste qu'on puisse acquérir d'autres choses. Le gain de style, en tout cas on va pas se regarder cette tenue là. Et je vois que nous avons des petites madames dans la rue. Oh, elle est super mignonne celle-ci! Bonjour! Wendy, il paraît que lui a laissé les clés de sa boutique à une nouvelle gérante. Elle m'a vivement conseillé d'aller la rencontrer. Je me demande ce qui ça peut bien être. Bah, c'est moi. Et une deuxième petite madame dont on ne connaît pas le nom. Lulu est en pleine forme aujourd'hui. Elle n'arrêtait pas de me parler des vêtements de cette boutique. Il faut que j'aille voir ça. En parlant de ça. J'ai vu que Coco portait des nouveaux habits. J'ai peut-être que je devrais changer un peu de look moi aussi. Ok, bon. On va aller un petit peu voir. Donc il y a deux clientes. Il y a celle-ci qu'on connaît pas du tout. Bon oui, j'ai pas vraiment un super look les amis. Hein, je m'en rends compte. Lourna. Bonjour, devinez jeudi, mon préféré donne un concert en plein air, j'ai réussi à avoir des places. Ça fait éternité que je veux aller les voir, je suis surexcitée. J'ai hâte de me déhancher sur leur musique. Je vais avoir besoin d'une paire de bottes pour me protéger les pieds. Oh, j'aimerais qu'elles soient marron. Les bottes marron sont si pratiques que je pourrais aussi les porter pour d'autres occasions. Ok, d'accord. Bon, bah, je pense que celles-ci, les amis, feront bien l'affaire, hein. De zoomer pour vous, enfin de mettre tout près pour vous montrer. Je lui fais ok, regardez. Nickel. Donc les gars, si vous entendez des petits bruits en fait, mais je me suis fait un petit café. Parce que j'ai tourné les uns à la suite des autres parce que sinon je n'aurais pas le temps en fait de les tourner. Et. À tes souhaits, Dara. Donc voilà. Je vais faire comme ça. Et un petit café là. Ça en jouant, ça fait du bien. Je pense que je vais vous les prendre et mettre le prix. Ok, nickel. 115 euros quand même qu'a coûté les bottes. Yes. Merci pour votre aide. Au revoir. Au revoir, madame. C'est mignon. Oh, c'est chou son look, elle. Regardez. Oh, c'est trop adorable. La porie qu'elle s'appelle. Coucou! Je ne sais pas trop comment dire ça, mais j'ai l'impression que rien ne me va comme je voudrais en ce moment. Je me suis disputée avec ma mère, je marche sans arrêt dans les flaques d'eau, j'ai l'impression d'être très malchanceuse ces temps-ci. Je me suis dit qu'en agissant, en restant positive, j'arrive peut-être à m'en sortir. Oui, tu as tout à fait raison, madame. J'aimerais choisir des vêtements, mais je ne sais pas par où commencer. Je pense que la couleur va être un facteur important. Je veux quelque chose de vif et de joyeux, qui soit plein d'énergie. Peut-être que vous pourriez me trouver un joli article jaune. J'espère. J'espère que... Ah oui, ça c'est... On va lui conseiller ça, peut-être? Ah non, le hoodie. Ah... Je pense qu'elle l'aime bien. Ah, ça lui va super bien en plus. C'est super, il me le faut. Nickel. Super, merci nickel, jolie trouvaille. Je reviendrai vous voir bientôt, au revoir. Elle est adorable. J'adore sa jupe. Waouh, regardez. Il y a deux clientes d'un coup qui viennent de rentrer. On va un peu leur parler. Bonjour, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Comment? Oh, c'est pas pour mon sac? Ah oui, tu disais qu'il était sur le point de rendre l'âme. Oui, Jodie, pouvez-vous me montrer un nouveau sac? Je voudrais un marron, si possible. Il serait moins salissant comme ça. Bon, ok, d'accord. Un marron. Ouais. Celui-là. Attendez. Je sais pas ce que eux veulent dire par marron. Ouais, bah voilà, celui-là. Avec les petites étoiles. Ça n'ira pas du tout avec comme elle l'habille, mais c'est pas grave. Ça va pas du tout avec le reste, mais bon, c'est pas grave.
Ok, bon, moi elle est contente, c'est bien. Qu'en penses-tu, Samia? C'est très chouette, j'aime bien. En fait, je voudrais bien la même chose. Je crois que je reviendrai la prochaine fois. Ok, d'accord. Oh, elle est trop bien habillée, celle en rose. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Ouah, elles viennent par groupe de deux. Bonjour, c'est l'heure du shopping. Nous voilà dans la légendaire boutique. Qu'est-ce qu'on va acheter aujourd'hui? Calme-toi un peu, Karine. Pourquoi faire? On vient juste d'arriver, il y a du shopping dans l'air, on va s'éclater. Ah, elle est toujours comme ça me fatigue rien que de la regarder, vous n'avez pas idée. Vous là, je dis, est-ce qu'on peut trouver un beau chapeau orange ici? Quelque chose de voyant pour bien attirer l'attention. Bah, je sais pas. Oui, ah oui, j'ai un bonnet, tiens. Tiens, madame, essaye le bonnet. Oh, c'est... Oh, j'adore sa blouse! Non, Sakura... J'ai mon chat qui vit sur le bureau d'Indara qui veut passer sur le mien, mais j'ai pas envie qu'il me renverse mon café. Merci beaucoup, je dis au revoir. Oh, c'est trop cool. Et donc, j'ai une cliente ici. Mélina, coucou, excusez-moi, vous vendez des vêtements hiver ici en ce moment, je sors presque toujours avec des amis, on s'amuse bien, mais je commence quand même à fatiguer. J'ai vu un reportage à la télé l'autre jour, il disait que la couleur verte était efficace pour se relaxer. Je me suis dit qu'avec ça, je me suis dit que ça pourrait me faire du bien, alors me voici, vous pouvez me montrer un top vert s'il vous plaît? Pas de problème. Donc, top, style top, couleur. Vert, 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 vert. Oula, j'ai un article. Bon bah. On va quand même essayer. Je pense pas que ça soit ça. Ah ok, d'accord. Elle est d'accord. Avec Soy, c'est marque Soy. Elle est d'accord. C'est nickel. Je suis fatiguée, j'essaie de discuter avec une fille appelée Laurie. Je n'ai jamais vu personne marcher aussi vite. J'avais beau courir, je n'arrivais pas à la suivre. Enfin, vous avez entendu la nouvelle jeudi? On parle de vous en ville. J'ai quand même l'impression que vos clientes ont été très contentes de vous. Bravo jeudi. Je pense que de plus en plus de gens vont commencer à s'intéresser à moi grâce à vos efforts et que nos clientes satisfaites vont revenir nous rendre visite. On va bien s'amuser. Ah oui, c'est pour ça qu'on avait besoin de Laurie. Il faut que vous alliez au showroom à vous réapprovisionner le stock de la boutique. Ok. J'espère que Laurie sera là pour vous accompagner. Bon, n'y comprends pas, je vais devoir aller la chercher. Je vous laisse vous occuper de tout en mon absence, je dis. Essayez au moins de gagner 2000 euros si vous le pouvez. On doit s'approvisionner à plein de choses à la boutique. C'est parti, cette fois-ci, je ne voudrais pas sans Laurie. D'accord. Ok, ben alors on doit bien s'occuper de clientes jusqu'à avoir 2000 euros. Salut, contente de vous voir. Allez, blondie, lance-toi. Ce que tu peux être pénible parfois. Bon, je m'en occupe. On y cherche un chapeau. Oui, il ne faut pas oublier la tête quand on compose une tenue. Enfin, je trouve. Oui, mais elle ne veut rien de trop tape à l'œil. Un chapeau sans motif conviendrait mieux, n'est-ce pas? Oui, pouvez-vous m'aider, je dis. Bon, t'es timide et t'es en style pop. What the fuck? Bon, bah, sans motif. Bah, j'ai que ça, quoi, c'est... Je ne sais pas trop, c'est pas vraiment ce que j'ai en tête pour tout vous dire. Désolé, je vous ai mais... Un chapeau pas trop tapable, alors j'ai celui-ci. Mais ça va pas du tout avec ton style, mais bon, d'accord, ok. C'est toi qui vois, madame. Ça va pas du tout avec le reste, mais c'est pas grave. Ok, on est à 1700 euros, donc... Limite, ce que je vais essayer de faire, on va essayer d'arriver aux 2000 euros ensemble. Puis après, bah, prochain épisode, à mon avis, on ira au showroom. Ah, qui revoilà! Oh, voici Caroline. Donc, je voudrais vous remercier de nouveau pour la dernière fois. Toutes mes amies ont adoré ma nouvelle tenue. Elles ont toutes été surprises de voir à quel point ce look m'allait bien. J'étais même un peu gênée, pour être honnête. Du coup, j'ai décidé que dorénavant, je ne prendrai plus d'articles. Je ne porterai plus d'articles girly. Est-ce que vous avez une jupe de ce style? Enfin, que d'un style, peut-être qu'elle a voulu dire. J'ai envie de lui conseiller ceci.
sans regarder. Ah, nickel. Enfin, sans regarder la recherche, quoi. Oh là là, plus je la vois, plus je suis sous le charme. Je ne peux pas repartir sans. Ce serait criminel, ok. Oh bah c'est nickel. Et ça va vite, hein. On est à 1829. Quand on arrivera à 2000, je pense que... Oui, je pense que j'arrêterai le let's play, je pense. C'est que je sais pas quoi mettre dessus parce que j'ai dû recouper. Oh, j'aime bien ton look à toi, madame. Louane, salut. Je suis venue acheter des chaussettes. Je n'aime pas trop marcher pieds nus. Et puis, elle s'est venue si vite. J'aimerais qu'elle soit noire. Vous avez des chaussettes noires pour moi, jeudi? On va voir. Elle connaît déjà tout de mon prénom. Voilà, j'ai les basiques U qui sont super simples. Ok. J'aime bien comme elle a mis. J'adore ces colons, ce genre de hautes chaussettes, la rayée rose qu'elle avait. Oh, c'est pas ça qu'on va gagner des sous, mais bon. On y va, on y va, on y va, on y va. Ah. Coucou, Maïsan. Oh, c'est super beau comme prénom. J'ai été très occupée ces derniers temps et je commence à me sentir très fatiguée. J'essaie tout un tas de choses pour me donner plus d'énergie, mais rien n'y fait. C'est pour ça que je suis là. La mode ne m'intéresse pas beaucoup, mais une amie m'a conseillé de venir vous voir. Elle dit qu'un nouveau look m'aidera à me remotiver. Je suis prête à tout pour essayer. Mais je ne sais pas quoi choisir, alors si, j'aimerais un nouveau pantalon. En ce qui concerne le style, je n'aime pas ce qui est compliqué, je préfère quelque chose qui soit sans motif. Ok, pas de souci. Un pantalon sans motif, ben on a le tout simple comme ça, madame, si vous voulez. Hein, Regardez! Nickel. Plus ça va et plus je suis emballée. En plus, c'est sans motif, j'en rêvais. Ah mais c'est pas. Il me faut des sous, moi les gars. Prenez des tenues complètes, non, vous voulez pas? C'est trop mignon en tout cas sa coiffure. J'ai reçu non, des mails. Qu'est-ce que ça dit? Style. Merci pour vous, j'en sais plus à plus aussi, je me suis amusée, je vais montrer ça à mes amis. D'accord, ok, nickel. Et le planning, c'est quoi? Ok, donc c'est notre. Donc le planning en fait c'est un petit peu nos objectifs, je pense. On n'a pas de sous? Bon, je vais essayer d'attirer des. Il n'y a pas des clients dehors qui se baladent, s'il y en a une là qui se balade. Wendy, y a Wendy qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Ok, mais si c'est d'être discret, c'est raté, on ne voyait que lui. Mais malgré sa tenue, il n'était pas mal du tout. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il faudrait beaucoup à Ricky. Ok, d'accord. Et toi, Wendy, qu'est-ce que tu dis? Une nouvelle pièce de la vie de Décorama, je suis allée la voir et croyez-moi, elle est ravissante. Je me demande qui l'a décorée et comment. J'espère qu'on verra bientôt plein de nouvelles pièces naître dans la villa Décorama. Je pense que ça apportera beaucoup de bonheur aux habitants de Soliris. J'ai hâte. Ok, d'accord. Je vais rentrer dans la boutique. Ah, il y a une cliente. Hayley, salut, heureusement que vous êtes là, je voulais vous voir, nous avons prévu de faire du cosplay avec une amie demain. C'est ma première fois, alors j'ai vraiment hâte, il me faut vraiment une jupe bleue pour mon costume. J'en ai pas à la maison, alors je suis un peu inquiète. Dites-moi, vous en avez une? Jupe bleue, bah oui, j'ai celle-là. Celle-là, c'est la seule bleue que j'ai, madame, s'il vous plaît. Oh là là, j'aime forcément puisque c'est bleu foncé, je vais essayer de je reviens. Ok, d'accord. Ah, super. Elle dit tous, toutes, je peux pas parler, c'est criminel. Ah, super, regardez, 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 on avance. Ah, je veux une cliente. Bon, je ressors. Je rentre. Je ressors. Il n'y a pas d'autres dames. Je vais vite aller au parc, voir s'il n'y a pas des dames ou quoi. Regardez! Il y a des filles là! Oh, Noémie, je vais lui redire bonjour.
Noémie, je savais que tu serais là. Qu'est-ce qu'il se passe? Je t'ai appelé 5 fois pour essayer de prendre rendez-vous, mais tu ne réponds pas à ton portable. Mince, oups, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Désolée, je... Noémie, tu es en train de jouer avec Gustave ou tu n'as pas senti ton... Et tu n'as pas senti ton téléphone vibrer, c'est ça? Ah, tu me connais trop bien. Enfin, Gustave est parti se promener, alors j'imagine que je devrais retourner sur de coiffure. Je ferais mieux de prendre... Plus vite, ok. C'est une nouvelle gérante de la boutique, j'ai raison. Votre nom commence à circuler, et enfin, c'est lui qui me l'a fait circuler, elle connaît tout le monde. Dites, puisqu'on est tous les deux gérantes, il faudrait qu'on devienne amis. Ah, mais je ne vous ai même pas dit ce que je gérais. C'est un salon de coiffure. C'est sûr, café ici, vous devriez passer me voir un de ces quatre. Je devrais sûrement aller couper les cheveux, non? Je m'appelle... Ok, d'accord. Donc, ça a ajouté un petit mail. Donc là, je regarde au niveau des noms qui apparaissent. Il y a des filles qu'on ne connaît pas. On va aller leur parler. Donc là, il y a une nouvelle pièce dans la vie de Décorama. Je suis elle est ravissante. Je me demande si qu'elle a décoré. Ok, d'accord. Toi... Clémence, j'avais envie de changer de tête, alors je suis allée au salon de coiffure, mais une fois est arrivée là-bas, Noémie était introuvable, comme d'habitude, alors je suis venue ici. Ok, d'accord. Donc, on va quand même essayer de retourner au truc pour... au magasin, j'aimerais quand même bien terminer. Ah, j'ai 3 clientes qui viennent d'arriver. C'est super. Coucou, j'avais un rendez-vous galant hier soir, c'était super galant dans votre petit restaurant italien. J'ai commandé des spaghettis bolognaise, mon plat préféré. Et là, le drame. J'étais tellement nerveuse que j'ai fait tomber de la sauce sur mes genoux. C'est la pire tâche. Impossible de nettoyer, du coup, le pantalon que je portais est irrécupérable. Mais j'ai une idée, puisque j'adore la sauce bolognaise et que je risque de me tâcher à l'avenir. Je vais mâcher quelque chose de rouge comme ça. Ah, un pantalon rouge, d'accord. Je pense que je dois avoir ça, oui, voilà. Ok, ben, on a chacun notre façon de faire, hein, les gars, mais quand même, c'était pas... Enfin, je sais pas si c'est la meilleure des façons. On va voir. On va voir si elle, ou elle aime bien. Oh, c'est joli, en plus, comme elle est habillée, comme ça, bleu marine et rouge. J'aime bien. Ah, bientôt, les amis, bientôt 2000 euros. Donc, on n'est plus qu'une cliente, et je vous laisserai. Et on ira checker le truc. L'autre dans sa prochaine... Oh, c'est trop mignon comme t'es habillée. Mounia, coucou. Vous avez des serre-têtes ici? J'aime beaucoup le serre-tête en forme d'oreille de lapin, pas vous. Oui, j'en ai. Moi aussi, j'ai bien les lapins. Un motif à pois. Oui, j'avais un petit rose. Regardez, on a le petit rose comme ça, qui est tout mignon. Oh, c'est trop mignon. Oui, on a 2000 euros, les amis, on a 2000 euros. Bon, les amis, ben, c'est ici que je vais vous laisser. Parce que je crois qu'on a dépassé un peu ce qu'on devait faire. Je vous laisse et je vous retrouve dans un prochain épisode. Ciao, ciao.